Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 moyens de monétiser un blog. Et en réalité, ça va être bien plus loin parce que quand on entend monétiser, on a l'impression que c'est gagner quelques euros par ci par là. Je vais vous montrer des vrais business qui marchent extrêmement bien. On va faire des allers-retours entre la France et l'Angleterre et j'espère que ça va vous donner des idées. N'hésitez pas à poser vos questions et à vous, et à me dire à la fin quelle nouvelle idée ça vous a donné pour votre propre blog. Ok, on est parti. Donc, il y aura 10 moyens de monétiser, euh, je vais vous montrer 10 moyens de monétiser un blog et en réalité, on peut en faire, il euh, y a beaucoup plus de manières de le faire et euh, personnellement, j'en utilise au moins 4, 5, 6 régulièrement. Ok, on est parti Alors, euh, dans cette vidéo, donc je vais vous montrer d'abord. Comment on peut gagner de l'argent avec une formation. C'est le blog Nerd Fitness. C'est un blog qui euh, nous accompagne à être euh, plus en forme. Donc, c'est un américain euh, qui a créé ça, euh, Steve Kemp. Et euh, il s'est intéressé. C'est pas juste un blog fitness, c'est un blog fitness pour les nerds, pour les geeks un peu. Euh, donc, c'est un ton assez sympathique. Et voilà, le blog, il est gratuit. Et il y a une formation. Et je m'y suis, suis inscrit euh, récemment. Où il nous montre comment euh, perdre du poids, gagner, être en meilleure forme. Une formation qui vend 147 dollars. Euh, donc voilà, imaginez qu'il en vende un par jour. Euh, ça, fait, ça ferait 30. Je me suis lancé dans un truc là, 4500 dollars euh, par mois. Et je pense qu'il en vend bien plus. C'est une très belle formation. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, euh, n'hésitez pas. Donc, une formation en ligne, c'est quoi C'est on crée une série de vidéos, du texte. Et de manière structurée, on accompagne une personne d'un point A avec un problème à un point B avec une solution. D'accord Donc là, par exemple, c'est la perte de poids. C'est très simple, on passe de 85 kilos à 80 kilos. Donc, la formation nous indique comment faire de manière structurée. Et ce n'est pas juste des conseils, contrairement à des articles qui donneraient des petits conseils, des, des petits tutos. Mais là, c'est vraiment une méthode complète. Okay Donc, pensez-y. Euh, premier moyen de monétiser avec un blog. Deuxième moyen, c'est via du sponsoring, vendre de la publicité. Alors, ça, ça peut se faire avec des articles sponsorisés être ambassadeur d'une marque. Et euh, moi, je vais vous présenter un modèle assez original. Alors, Johnny Dumas, c'est vraiment un dingue. Il publie une interview audio par jour et il vend des formations. Mais là où j'aimerais euh, porter votre attention, c'est dans son podcast. Euh, il, il a des sponsors et ces sponsors euh, payent des milliers d'euros. Des milliers Donc, il fait 30 épisodes par euh, mois. Parce qu'il sort un épisode par jour. Et si on prend le mars 2017 par exemple, combien il a gagné rien qu'en publicité. Donc les publicités, pensez à des spots comme à la radio. Hein. Donc un podcast audio peut-être pour expliquer. C'est une émission de radio qu'on enregistre et qu'on diffuse via l'application podcast ou SoundCloud. Et donc ce qu'il va faire, c'est que euh, il va mettre de la publicité pour euh, des marques. Donc c'est les marques qui le contactent ou c'est lui qui contacte et les marques vont lui dire, voilà, on donne 1000 euros, 2000, 3000, 5000 dollars pour telle publicité, tel spot de 30 secondes. Donc là, on va voir que... Euh, donc là, c'est ces différentes sources de revenus. Et voilà, c'est ici. Durant, durant le mois de mars, il a gagné presque 60 000 dollars rien qu'avec de la publicité dans son contenu. Okay. Écoutez si vous voulez voir à quoi ça ressemble. C'est voilà au milieu de l'émission, il parle d'une marque, il fait la promotion d'une marque. Donc pensez publicité et il y a vraiment, il y a même du AdSense, tout est possible. Mais là, c'est qu'on a une grosse audience, on a beaucoup de personnes qui téléchargent, une grande influence, on peut vendre euh, de la publicité. Ça doit être, alors voilà, pour 30 secondes de publicité sur un épisode, il doit peut-être vendre ça à 1000 dollars. Okay. Imaginez. Troisième moyen de monétiser, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est de recommander le produit de quelqu'un d'autre. Et en recommandant le produit de quelqu'un d'autre à notre audience, on touche une commission sur la vente d'un produit. Okay Vitality, par exemple, Donc, ce que je dis là, c'est public parce qu'on a fait une interview, Gaëtan euh, m'a raconté, Donc, il fait un blog, il a lancé un blog sur les jus de légumes parce qu'il n'y avait pas de blog sur les jus de légumes, il s'est lancé dessus, euh, les gens s'inscrivent à sa newsletter et régulièrement, il recommande les formations d'autres personnes dans la même thématique que lui. Les gens qui s'intéressent au jus de légumes veulent être plus en forme et maigrir. Du coup, il s'associe avec d'autres personnes qui vendent des formations pour maigrir, comme North Fitness, par exemple, mais c'est des Français. Et du coup, euh, si cette formation, elle coûte 500 euros, par exemple, lui, il va faire la promotion de cette formation. Et si ses lecteurs, ses abonnés achètent via son lien, euh, ils touchent, par exemple, 100 euros, 200 euros, okay, par personne. Et donc, il suffit qu'il envoie un email euh, faisant la promotion de quelqu'un d'autre et il peut gagner des milliers d'euros. Voilà, Gaëtan gagne en, en moyenne euh, 2-3 000 euros par mois. C'est ce qu'il nous a raconté. Je mettrai un lien en dessous si vous voulez euh, écouter son interview. Donc, ça, c'était euh, l'affiliation. Alors, The Adopted Life, l'auteur de ce blog, c'est passionnant. Peut-être que ça arrive qu'aux États-Unis, mais je pense pas. Euh, je pense qu'on peut aussi le faire en France, euh, du, de notre manière. Elle a parlé, simple, elle a simplement raconté sa vie en tant que fille adoptée euh, de parents blancs parce qu'elle, elle est euh, noire. Et euh, du coup, on se dit bon, ok, d'accord, en quoi c'est intéressant euh, Comment on peut gagner de l'argent avec ça Bah, elle a créé une audience de personnes très intéressées. Là, pour le coup, euh, c'est des gens qui sont engagés et qui viennent pas juste son blog euh, sur son blog comme ça. C'est une communauté de personnes qui retrouvent en elles euh, des choses qui qu'elles euh, que, qu vivent elles-mêmes. D'accord Donc c'est tellement niché que c'est quelques personnes qui euh, qui la suivent, alors ça représente des milliers de personnes, j'imagine, euh, lui permettent d'avoir une grande audience euh, et de toucher les, les médias. Et aujourd'hui, elle est conférencière, d'accord De blogueuse à conférencière, elle le raconte dans sa page à propos. Pourquoi Parce que pendant, euh, pendant des, euh, des années, elle a partagé, elle a délivré du contenu et elle est donc devenue une influenceuse. Dans ce domaine et quand il y a des conférences qu'on a besoin de quelqu'un, on fait appel à elle. Alors j'ai aucune idée de sur combien elle gagne, mais j'imagine que voilà ici, si on fait appel à elle, ça coûte pas 100 euros, c'est des milliers d'euros si vous voulez l'inviter euh, à votre à un événement. donc on imagine qu'il suffit qu'elle fasse un événement par semaine pour déjà vivre correctement et à mon avis, elle fait bien plus que ça. Euh, un, deux, trois, quatre, cinquième moyen de monétiser un blog. Alors, j'aimerais vraiment qu'on sorte un peu de ce mot du coup, monétiser un blog. C'est comment on peut développer, créer, lancer un business avec un blog. C'est vraiment ça qui m'intéresse aujourd'hui. Comment on peut lancer un business avec euh, son blog? Mutinerie. Ils ont une idée de faire un espace de coworking. Alors, il, il se trouve que pendant deux mois, j'étais dans cet espace de coworking. Un espace de coworking, c'est un endroit où on se retrouve pour travailler, des indépendants qui se retrouvent pour travailler au lieu de travailler chez eux. Du coup, ils ont eu cette idée et ils se sont dit, on va lancer un blog pour parler de ce projet et faire venir des gens pour créer une communauté. Et donc, ils ont lancé un blog, ils étaient quatre. Le blog a fait connaître le projet et quand ils ont ouvert l'espèce de coworking, ça a très bien marché Quoi, je sais pas si ça a très très bien marché mais à mon avis ça a plutôt bien marché et ça n'aurait peut-être pas aussi bien marché sans le blog et aujourd'hui, c'est l'un des leaders en France ils font même c'est les auteurs de la freelance Fair par exemple. Donc on peut vraiment créer même un business physique hein, avec des bâtiments avec un blog. on n'est pas juste sur du virtuel. Euh, sixième moyen, c'est de gagner de l'argent en faisant du freelance. Alors, Marine, je l'avais interviewée quand elle était encore à ses débuts. Euh, donc, c'est un blog mode beauté, j'imagine. Voilà. Et dans sa page à propos, elle raconte qu'elle est freelance en community management. Ça veut dire que son blog lui a donné une telle visibilité une telle lieu, à montrer une telle expertise que aujourd'hui il y a des gens qui, vient, euh, qui viennent la voir et euh, des entreprises et qui disent est-ce que tu veux bien travailler pour nous euh, je sais pas un deux ou trois jours par euh, semaine pour animer nos réseaux sociaux. D'accord Donc, j'ai aucune idée de combien elle gagne, pour qui elle travaille. C'est juste quelque chose qu'elle raconte dans sa page à propos. Et beaucoup de personnes dont, dont je fais partie se font connaître grâce à leur blog et font du freelance à côté. Moi, l'un de mes derniers contrats, c'est une entreprise qui est venue me trouver sur Twitter. D'accord Donc. Le blogging est un moyen de lancer son business en freelance, en tant que freelance. Alors, Livewell 360, c'est une entreprise aux États-Unis qui vend des sacs à dos un peu urbains, alors des sacs de sport adaptés à la vie quotidienne des, des citadins, des, je sais pas, je ne connais pas exactement, mais de ce que je comprends, c'est des sacs assez agréables où tu peux l'emmener au, euh, au travail. Ce n'est pas juste le gros sac de sport. Ils ont créé ce sac euh, parce qu'ils ont vu qu'il y avait des vrais besoins et que euh, les produits ne correspondaient pas à ce que, ce que les gens cherchaient. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont lancé d'abord un blog euh, parlant de comment euh, ils ont perdu du poids et donnant des conseils de fitness. Et ils ont vu que leur communauté avait ce besoin, eux-mêmes avaient ce besoin, et ils ont travaillé avec leur communauté pour lancer ces sacs. Euh, c'est passionnant, donc aujourd'hui c'est un, un gros business. Euh, et voilà, se lancer dans un business si concurrentiel, euh, sans passer par un blog, c'est beaucoup plus difficile. Euh, et grâce au blog, ils ont pu lancer ça. Donc voici le blog, euh, voilà, avec des articles. Et puis aujourd'hui, évidemment, ça fait un peu magazine en ligne, mais à l'époque, c'était un blog, blog, blog. Groupon, que vous connaissez, a commencé avec un blog. C'est-à-dire que tous les jours, ils publiaient un bon plan. Okay et à force de publier des bons plans, un jour, ils se sont dit, ça a commencé à bien marcher et ils ont commencé à, faire, à monter une start-up. Donc, on peut vraiment lancer une start-up à partir d'un blog. Et donc, aujourd'hui, Groupon, c'est un succès international. Je ne vais pas en dire… Plus je suppose que vous comprenez. Neuvième manière de gagner de l'argent avec un blog, c'est de euh, faire du coaching. Alors, Leslie, je ne connais pas exactement son histoire, j'ai fait des recherches, j'ai regardé sa page à propos et j'aimerais bien l'interviewer euh, prochainement. Elle fait du coaching. Et euh, comment elle fait connaître son coaching, donc coaching pour les femmes en leadership. Euh, comment elle fait son coaching Comment elle vend son coaching Elle se fait connaître à travers son podcast, euh, son blog et d'autres moyens. Mais sans blog, sans podcast, euh, je ne sais pas si elle aurait pu montrer son expertise euh, comme elle arrive à le faire. Elle a aussi une chaîne YouTube. Euh, qui lui permet euh, voilà, de, de grossir son audience. Alors, juste, je reviens sur ça, cette notion de gagner de l'argent avec un blog. Le blog aujourd'hui, c'est défi la définition mod moderne d'un blog. Ce n'est pas juste du texte écrit noir sur blanc. Okay ça peut être des images, de l'audio, des podcasts audio comme des vidéos. Donc, pensez vraiment euh, global. Okay c'est vraiment multimédia aujourd'hui. Et dernier moyen, euh, de monétiser un blog, c'est de vendre un livre euh, comme moi et Auriel l'a fait aussi juste un peu avant moi chez la même maison d'édition. Donc il a lancé un blog sur comment euh, trouver un, un, un meilleur job ou retrouver un job, donc s'appelle Career Punch et il a publié le livre Décrocher euh, le job de vos rêves. Alors on ne devient pas millionnaire avec un livre, mais s'il en vend euh, vraiment beaucoup, euh, si il peut vraiment vivre de son livre, je ne sais pas combien il, veut, il va en vendre euh, mais on peut vivre d'un livre si on en vend beaucoup et il est dans une thématique très intéressante d'accord, donc j'ai vraiment euh, décrit là 10 moyens de monétiser un blog euh, c'est pas du pipeau si vous lancez un blog ça peut être l'un des meilleurs moyens pour vous de vous lancer sans argent, rapidement le soir et le week-end donc si vous êtes vraiment intéressé il y a un tutoriel pour créer un blog en dessous. Et si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, laissez un commentaire et je serai ravi d'y répondre. Et j'espère que ça va vous inspirer et surtout vous encourager à passer à l'action. N'attendez pas d'avoir une idée de génie, innovatrice et d'être prêt. Lancez vous dès maintenant. Vous prenez vraiment pas de risque du tout. C'était Lingen, auteur du guide du blogueur, et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.